Il est le premier responsable de ce ministère, il est le maréchal de la brigade antidissociée. Je veux simplement t'inviter à accueillir le serviteur de l'Éternel, le prophète Joël Grâce au Shalom, qu'on acclame Jésus. Thank you.
Nato. La France à où? David. Vous êtes là pour quoi? Je suis venu commander le gouvernement. Vous avez quoi? J'ai une sœur. Hein? J'ai une sœur. Comment? Vous êtes venu à qui? Je suis venu avec toi. Il a l'esprit de la sorcellerie. Je vais te délivrer. Dans cet esprit, il y a la sorcellerie en lui. C'est ça qu'il faut être guéri. C'est pas Issé. Il n'y a plus que Issé en toi, c'est la sorcellerie. Marabéo! Marabéo! Jeudi qu'ils sont partis, toute l'équipe, dans le but de délivrer une famille. Ça fait maintenant 2 ans. Avant d'avoir visité la famille, il y avait la sorcellerie, tout ça. On essayait de prier pour la famille. Il y avait des choses faites à l'égard de cette famille. J'ai expliqué la sorcellerie aux gens. Vous savez, les gens qui savent que ça existe, le mécanisme, comment la sorcellerie fonctionne, ils ne savent pas. Et le diable aime bien ce que vous soyez dans l'ignorance. Or, il ne faudrait pas être ignorant face à ce que le diable fait. Vous devez connaître comment le diable travaille. Il est notre ennemi. Si vous ne savez pas ce que l'ennemi fait, vous savez, en stratégie de combat militaire, on cherche à connaître la force de l'ennemi et de ses faiblesses. N'est-ce pas? Voilà. La force de l'ennemi qui est en face de nous et ses faiblesses. C'est en fonction de ça, n'est-ce pas? On essaie de mettre un plan en jeu pour déstabiliser l'ennemi qui est en face de nous. Le combat que nous menons aussi, c'est un combat spirituel. Mais je suis connaître le diable, comment le diable travaille. Ça, c'est vraiment important. Ne dis pas comment c'est spirituel. Or, c'est ce qui est spirituel qui est plus dangereux. Donc, il faut connaître comment le diable travaille. Le diable, il a une seule chose. Il a 3 plutôt. C'est de voler votre bénédiction.
Selon Jean 10, le verset 10, le diable ne vient que pour voler. C'est Jésus qui le dit. C'est un usurpateur. Toi, tu peux avoir, n'est-ce pas, un mariage que la sorcellerie peut prendre pour aller vendre. On peut vendre ça ailleurs. Et puis, tu peux rester. Tu dis, hein? Qui crie, hein? Hein? Qui? Tu as servi, là? Non, c'est pas si je dis que ça va être, mais jamais tu fais ça, tu dis, hein? Voilà, donc, on peut vendre cela comme ça. Parce que, écoutez, personne n'est né sans chance. Nous sommes nés tous avec une étoile. Quand Jésus est né, ils ont vu l'étoile de Jésus. C'est un symbole de chance. Et c'est à partir de l'étoile que tout vient. Or, c'est cette étoile-là qu'on étouffe, qu'on éteint. Et quand tu es dans le noir, tu le sais. Parce que tout est bloqué autour de toi. Rien ne bouge. Ils ont cette capacité. Nous marchons avec une lumière en nous. Et c'est cette lumière-là qu'on appelle l'aura. Scientifiquement, on appelle ça l'aura. C'est ce qui attire les bonnes choses vers nous. Donc, quand la lumière, cette lumière est éteinte, bon, c'est la mauvaise chose. Nous avons l'impression de nous trouver quelque part. Et on a l'impression que... Vas-y, tu ressens la chose. C'est la frustration. Tu es frustré. Toi-même, tu es convaincu que rien ne marche autour de toi. Voilà, mais le diable continue de travailler. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne voit pas que la bénédiction. Le diable aussi, n'est-ce pas, détruit la vie des gens. Vous comprenez? Ils volent, on donne aux gens, on peut prendre. Parce qu'il y a des gens qui devraient devenir sous-préfet, préfet des régions, on prend pour nous à quelqu'un d'autre. Et tu es là, tu vas jusqu'à l'ENA, tu ne peux pas être préfet, tu ne peux pas être magistrat, tout est bloqué parce qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Et on vient, on te impose une autre vie. On peut donner l'esprit d'alcoolisme, tu es là, tu es un homme qui boit seulement. Tu ne laisses pas Belé passer, tu vois Belé seulement. Tu vois Belé, les gens, même, quand tu les vois, Belé va finir que. C'est eux-mêmes là, Koutoukou là, même là, les moyens plus. C'est eux qui moyennent Koutoukou. Comment tu peux boire Koutoukou, un litre? Il n'y a pas de degré. Et même toi, tu n'es pas saoulé. Il y a des gens, ils se lèvent, c'est Koutoukou. Ils veulent dormir, c'est Belé. Ça veut dire que toi, ils t'ont mis dans une bouteille d'alcool. On peut bloquer ton voyage. Tu as tous les papiers, mais on te refuse le visa. Et les gens ne savent pas pourquoi le visa a été refusé. Mais ils ne veulent pas te donner le visa. On a vécu ça à Grand Lao. On allait prendre le passeport de quelqu'un dans une tombe. Parce que son oncle avait bloqué son voyage. On allait le récupérer. Il est venu, lui aussi, il avait le passeport. Mais son oncle avait un autre passeport. C'est-à-dire que le sorcier, lui, a l'original. Et puis le propriétaire a photocopié. Ah ouais, c'est les gens qui jouent à la sorcellerie. Nous, on a compris. Et quand tu comprends, tu es révolté contre le système. Le diable détruit. Quand vous ne voulez pas, c'est comme ça, ça a été toujours. Jusqu'à ce que Dieu tourne les yeux. Les gens disent, ah, mais pourquoi? Et on fait quoi? Celui, vous savez, quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous vous taisez. Maintenant, celui qui connaît, lui t'explique. C'est comme ça, ça est dans la vie. Mais quand tu ne connais pas, parce que tu n'es pas censé connaître. La connaissance intellectuelle que tu as là, ça ne veut pas dire que tu connais tout. On apprend toujours dans la vie. Il y a des choses qu'on découvre. Même les scientifiques, quand ils découvrent quelque chose, on vient de faire une découverte. Ils ne connaissent pas, ils découvrent toujours les choses. Donc il faut aller doucement. Il y a des choses que tu ne connais pas. Malgré ta connaissance intellectuelle, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Donc on commence à parler d'un sujet qui est si important que celui de la sorcellerie ne prenez pas position. Celui qui prend position, c'est un avocat du diable. Bon, la sorcellerie existe dans toutes les langues. Ça y est en bété, ça y est en djoula, ça y est en chinois, même en chinois, ça y est en chinois. Moi, je dois chercher à savoir comment on appelle sorcellerie en chinois. Il y a mon ami, là, lui, le chauffeur, là, lui, ses caméras sont chinois. On va essayer d'apprendre chinois, là, ça y est. Parce que c'est dans toutes les langues. C'est pas que c'est important que ça existe dans toutes les langues. Quelque chose qui n'existe pas n'a pas de nom. C'est ce que vous devez comprendre. C'est parce que mouton est là, on dit, bon, lui, là, les moutons, on en a un nom. Moi, je vais crasso. Toi, tu as un nom parce que tu existes. Donc, quelque chose qui existe a un nom. Quelque chose qui n'existe pas n'a pas de nom. C'est clair. Ça, il faut mettre ça dans la tête. Maintenant, ça existe. Ça fait quoi la sorcellerie? Ah, la définition veut dire lanceur de sort. Au départ, les gens m'attaquaient beaucoup, les journalistes. C'est pas dit que les sorciers sont. Ce sorcier connaît son camarade sorcier. Bon, je leur ai dit. Quand un homme l'a pêché pour suivre un bandit, là, c'est pas si les bandits. La police judiciaire. Aujourd'hui, là, les terroristes qu'on cherche à Paris, les djihadistes qu'on cherche, qui sont cachés dans les maisons, là, c'est parce qu'ils sont djihadistes qui les cherchent. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord contre le système. Qui veut mettre France hein? Parce qu'on ne peut pas servir ça. Vous voyez, quelqu'un qui sert Satan ne peut pas combattre les œuvres du diable.
Et non, ce n'est pas possible. Satan ne peut pas lui-même venir détruire ses stratégies. Ce n'est pas possible. C'est le seul ministère, loin de moi l'esprit d'orgueil, qui a ouvert au monde entier la manifestation de la sorcellerie. C'était tabou. Les gens ont peur de ça. Même les pasteurs ont peur. Ils ont peur. Nous, nous démystifions la sorcellerie. La sorcellerie, vous voyez là, il faut que ça soit démystifié. Si ce n'est pas démystifié, ça va toujours agir. Que vous vous taisez ou pas, un travail. Que vous ne croyez pas à ça ou pas, elle continue de travailler. C'est ça le problème. Donc nous sommes à une phase de sensibilisation. Au moins, tu es averti, au moins tu sais ce qui se passe autour de toi. Parce qu'il y a un autre monde que tu ne maîtrises pas, qu'on appelle le monde spirituel. C'est une réalité. D'ailleurs, Dieu existe. Toi, tu n'as pas vu? Non, mais tu sais qu'il existe. C'est ce qu'on appelle le monde spirituel. Il y a un autre monde qui existe, le monde spirituel. Or, le monde spirituel a ses réalités. Il y a aussi les ennemis des œuvres de Dieu qu'on appelle le diable, qui agit et qui nous combat chaque jour, qui nous combat. Amen. Donc le diable agit. Donc quand le diable, Jésus-Christ, a donné le pouvoir à l'église de détruire les œufs du diable. Ceux qui ont l'esprit de la sorcellerie, ils ont en eux un démon. C'est un démon qui les anime. Et cet esprit les pousse à commettre de vilaines choses. On les appelle l'esprit méchant, l'esprit mauvais. Quand on a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous pousse à faire de bonnes choses. Donc on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est ça. Donc ils sont possédés par un esprit mauvais. Donc naturellement, ils vont tuer des gens. Celui qui dit n'a jamais fait la. Celui qui dit les sorciers n'a jamais tué, c'est un menteur. Parce que quand tu es sorcier, tu commences à être initié à la sorcellerie. On t'initie, on va te demander quelqu'un d'abord. Quand tu le donnes, tu as droit à la parole dans la sorcellerie. Ok, ça c'est la première étape. Maintenant, ils vont te imposer quelque chose, un système. Par mois, tu dois donner une personne. Donc tu remplis les 12 personnes par an. Vous comprenez? Quand tu as donné les 12 personnes, tu montes à l'étape 2. C'est-à-dire que tu peux maintenant travailler sur le plan régional. Ils sont très organisés, les sociaux, vous voyez là, ils sont très organisés. Après l'étape régionale, voilà, donc tu dois maintenant donner une personne par semaine. C'est pour ça que, regardez le continent africain. En Europe, quand un jeune meurt, ce n'est pas normal. Même aux États-Unis, dans les pays développés, ce n'est pas normal qu'un jeune meure. C'est les vieux qui doivent mourir. Mais chez nous aussi, les jeunes meurent. Parce que nos parents nous mangent. Un sauce gong djoublé, un sauce pala, un placali. Souvent, il y a tôt, un tableau, un sauce arachide, on nous mange. Ben, ils ont oublié de manger. On l'appelle mangeur d'âme. On l'appelle, le sauce, on l'appelle mangeur d'âme. Ben, il est dangereux. Et puis, chose encore grave, ils ont la capacité de donner des maladies aux gens. On a délivré des gens. Moi, j'ai délivré 26 personnes qui étaient atteintes du sida dans un village, juste là, Fresco. La fille dit, je vous ai donné une maladie. Elle dit non. Et le monsieur discute. Ils disent non, on n'a jamais couché avec toi. Elle dit, mais moi, je suis venu faire ça en rêve. Je te fais mon injection. La bouteille, là, tu peux le chercher. Elle dit, discute. Elle dit, je vous ai donné sida, tu discutes. Mais naturellement, c'est qu'on fait les rapports. Voici la connaissance qu'on a de ce phénomène-là. C'est qu'on fait les rapports non protégés avec une personne qu'on peut contacter le sida. Or, il y a une autre manière de donner ça encore, mais spirituellement. Elle dit si, je vous ai donné. Donc, elles ne font pas la maladie. Donc, ils ne peuvent pas croire qu'ils ont le sida. Donc, heureusement qu'aujourd'hui, pour faire le test de dépistage, c'est facile. C'est des petits trucs de gouttes qu'on met, le sang qu'on met sur les petits feuilles. Et si tu es positif, ça signale. Si c'est, voilà. Ils sont allés à l'infirmerie du village, j'avais ça le test, ils ont fait les 26 tests séropositifs. Chacun pleure. Chacun pleure. Elle dit, je vous ai dit, vous discutez avec moi. Voici la sorcellerie. Donc, le site a été déjà dans leur corps. Il a fallu qu'on rentre dans le village pour que ça soit démasqué. Et nous avons prié pour eux. Science tenant, on leur demandait de répartir, faire le test. Et ils ont été totalement guéris miraculeusement par le Seigneur. Donc nous avons une histoire. C'est ce qu'il a dit aux gens là. Le prophète raconte une histoire. Je ne suis pas quitté quelque part. On a commencé. Ceux qui regardent bien mes vidéos là, on a commencé à les positionner à partir de 2012. Mais avant 2012, c'était déjà 2006 que j'ai commencé le ministère. La traque des sorciers. Non, ça fait plus de 10 ans qu'on est dedans. Voilà. Et voici les victimes là. La voici là avec, voilà, avec seringue.
Et comment c'est passé? Elle est tombée en transe, elle est tombée, puis la Seigneur elle est sortie de sa main. Vous-même là, vous pensez. C'est parce que vous ne connaissez pas trop avec les sorcelleries. Vous n'êtes pas révolté comme nous. Le sorcier là, il a un pouvoir. C'est Dieu ceux qui le maîtrise. Ils ont des pouvoirs. Nous-mêmes, on sait qu'on va les traquer là, on sait ce qu'on ressent. On sait ce qu'on ressent là-bas, si, si. Donc, il peut te donner une maladie. Il peut te donner le cancer. Il peut te donner les maladies bizarres. Tu vas à l'hôpital, tu ne peux pas être guéri par un médecin. Parce qu'on t'impose une maladie. Et puis c'est fini. Tu vas dépasser ton argent jusqu'à... C'est zéro. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? C'est comme ça que le diable détruit la vie des gens. Il te donne le sida. Papa, puis tu meurs. Des maladies bizarres. Tu ne comprends plus rien. Maintenant, le corps s'est tué. Et tu. Et tu peux vouloir que nous disons face à ce phénomène-là de la sorcellerie. On n'a qu'à se taire. Pourquoi on va parler? Et tu. Ils endeuillent les gens. Je suis aussi touché, choqué par le silence des collègues hommes de Dieu dans les églises. On n'en parle même pas. On ne fait pas de ça un sujet important. Les sorciers même sont assis. Et ça ne nous dit rien. De démasquer la sorcellerie, ça ne nous dit rien. Oh, la sorcellerie, elle est dangereuse. Qu'elle est quelque part, elle cause le retard dans la vie des gens. Amen. Amen. C'est ainsi que nous sommes répartis pour prier pour le village. Regardez ce qu'on a. Regardez. Vous voyez ce cardinal-là? Il y a la tête de chat. Vous voyez ce cardinal-là? La fille, la, ceux qui ont vu la vidéo, elles sont là. Non, mais ça ne fait rien. C'est déjà neutralisé. On attend de montrer comment le diable est vaincu. Voilà. On va ouvrir le cadenas et puis... Donc, la fille, elle allait mystiquement... Elle allait mystiquement... Voilà. Et elle a, le cadenas, là, ben, c'est un assénat, c'est-à-dire c'est les œuvres de la sorcellerie. Ils ont la sorcellerie en eux, mais ils ont les petits fétiches de la sorcellerie. Où ils ferment les œufs. Elle a parlé, elle a fermé. Donc, tout le monde est bloqué dans la famille. Ils vont à l'église, ils prient, oh, Seigneur, le feu brise, sort, démon. Ils sont bloqués. On leur dit, il y a quelque chose qui a été fait pour vous dans la famille. Ce n'est pas une question de ton petit feu brise là, qui peut aller détruire ça. C'est ça. Jésus dit, tel sort de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Vous voyez? Vous voyez? Et ça là, nous sommes allés détruire. Quand je suis arrivé dans la cour, moi-même, ils ont commencé à me flécher. Ah, ou pas, il y a des choses que je peux vous expliquer. Je sens que les abeilles me piquent. Elles me piquent. Mais sur son territoire. Ok. Donc, quand on a fini, je suis rentré en chambre, je vois des choses marcher sur ma voiture. Je vais dormir vers une heure pour prier. Je sens des attaques. Je vais prier jusqu'à 4 heures du matin. J'ai appelé mon chauffeur d'allons-y. L'heure est bien grave. Parce que si je ne fais pas ça, les sorciers vont m'avoir. Je suis sur leur territoire. On est parti. On a pu localiser. La fille dit que c'est mobile. On a pu localiser. Et puis on a détruit. C'est fini. Et puis c'est. Tu as peur? Non, on démystifie le diable. Hein? Ouais, le diable. Il faut aller aider les gens. Donc on a fini, c'est fini. Ils ont bloqué la vie des gens. Ils ont bloqué leurs trucs. On a fini. Tout à l'heure, on va casser. On a voulu de casser ça. On va casser. Amen. Amen. Dieu, il est puissant. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Amenez ça quelque part là-bas. Derrière la fille cocotier. Amenez ça derrière le cocotier là. Après qu'on va finir, on va détruire. Amen. Amen. Dieu, il est puissant. Nous autres là, nous mettons beaucoup l'accent sur ça. Pour nous, c'est la délivrance approfondie. On laisse pas. Quand le sorcier dit, t'as mis dans marmite, on dit, ok. On va poursuivre la marmite, on va t'en aller dedans. Tu as les marmites là. On dit que on vient de faire un travail. Mais manger son ainsi. Hein. Vous voyez, Canary. Canary, il y avait la chair humaine dedans. On allait détruire dans un village. Comment vous? Voilà. C'est là. Voilà, ça c'est visible même. Voici la chair humaine. C'est comme ça dans un congélateur, c'est frais. Et quand vous enlevez
Une heure après, ça s'est fond, ça a pourri. La sorcellerie, là, ils sont terribles. Hein. Et ils ont un avion qui fait 15 minutes. Oh non, moi, dans Air France, ça fait 6 heures pour aller à Paris. On souffre dedans. Ils ont des turbulences, ils tremblent. Ah, Seigneur. Je vais vite arriver. Et ils ont air tout flat. Elle se recouvre, ça fait 15 minutes. Eh les gars, vous avez toute cette science-là, vous jouez à nous. Montrez-nous, donnez sa Boeing, il va faire avion, et puis l'affaire est finie. On va aller train à Paris pour venir à Côte d'Ivoire, vous allez nous reposer, dormir. Si avion 15 minutes, on va aller train à Paris pour venir dormir à Abidjan. Oh, vous avez ça, mais ça ne profite qu'à vous seul, c'est balai. Balai. Elle se recouvre, elle toffe là. Vous portez ça, et puis c'est vous. Les sorciers, vous voyez là, leur pouvoir c'est trop terrible. Pendant que vous les fuyez, et vous maîtrisez. Or, leur stratégie, c'est de les ignorer. Non, on va plus aller au village. Vas-y, quand on est au village, quand on va au village, ils nous attrapent. Voilà. Et c'est un pied ça. Et puis, vous bouclez sur le village. Ils disent rien. Ils mettent un taux flammage, pain. Le GPS, et puis te localise. Hein, c'est un sorcier. Ils ont ce pouvoir-là. Ils peuvent te localiser. GPS a écrit par les hommes. Ils ont eu cette connaissance d'où? Comment ils ont eu cette connaissance? La science, c'est une technologie. C'est une science. La science et la société, c'est une science occulte. Ils ont la capacité de détecter, de te localiser. Ils peuvent aller te détruire. Ils peuvent savoir qui tu es. Ils prononcent seulement ton nom. Dès qu'il dit ton nom, il a accès à toi. C'est pour ça qu'à moment de dormir, vous devez lire le psaume 4, verset 9. Le psaume 4, verset 9. Pour les affronter, il faut avoir le Seigneur. Il faut avoir la puissance de Dieu. C'est pour ça que nous autres, comme Dieu nous a appelés là, il ne peut rien contre nous. Amen. Donc c'est ce que nous venons de faire. Nous venons de délivrer toute une famille. Toute une famille. Amen. Zamaka, toute une famille. C'est pas facile. Hein? Aller dans le village. Aller dans le village, c'est pas facile. C'est sur le territoire et chacun cherche à manger le prophète. Chacun veut le mettre dans sa graine, dans une petite une grosse mamie pour le manger, placali. Et puis le Seigneur vous délivre. Amen. C'est une victoire. Ça dit, on est beaucoup content quand on voit des gens délivrés. Pour que ces personnes maintenant puissent avoir facilement accès à leur village. Parce que c'est ça. Quand un homme de Dieu te dit, il ne faut pas aller au village parce que les sorciers vont te tuer. Il n'a rien résolu. Hein. Il n'a pas réglé le problème. Hein. Ça dit, il te dit, il faut avoir peur des sorciers. Or, s'il y a une révélation qu'un sorcier de village doit te tuer, ok, lui doit prier pour ne pas que. Et puis il va te demander, va. Parce que j'ai prié, ils ne pourront plus rien. Mais le fait de te dire, j'ai prié, il ne faut pas aller. Ça veut dire, il faut avoir peur des sorciers. On m'a posé une interview. Ça fait maintenant 2 mois de cela, les journalistes me disaient, mais pourquoi les gens, même les chrétiens, ont peur des sorciers? Il dit, c'est certains pasteurs qui peuvent qu'ils ont peur des sorciers. Moi, l'église que je gère, là, par la grâce de Dieu, personne n'a peur des sorciers. Non. Le sorcier, c'est qui? C'est un plaisantin. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Mais il ne faut pas aller dire un fidèle. Le fidèle, il écoute le pasteur. Maintenant, quand tu as une révélation, puis tu dis, bon, le fidèle te dit, je vais aller au village. Puis toi, le pasteur, tu dis, ah, j'ai fait un rêve, hein, j'ai fait un rêve. Où au village, ils t'ont dépêché. Qu'est-ce que tu es en train de créer? La peur, n'est-ce pas? Vous avez la peur. Qui n'a pas fait des sorciers? Et puis c'est le pasteur qui dit, vous parlez au village, hein? Ben, ils vont te manger, ils vont te couper un combo, djoubli, copain, placali, ça c'est terrible, c'est vite, vite, en 5 minutes, on t'a déjà mangé. Donc le gars a peur. Et puis il dit rien, il dit on te tue. Et puis il dit rien. Il ne résout pas le problème. Il crée en toi une psycho, la peur. Et tu as peur. Il ne faut pas partir. Puis celui qui doit dire quand tu vas partir, le pasteur. Ça veut dire quoi ça? La Bible dit, nous, croyants, que tu sois pasteur, tu es d'abord chrétien avant de devenir pasteur. Tu as d'abord cru à la parole, tu es converti d'abord avant d'être pasteur. Tout croyant a la victoire sur la sorcellerie. Amen. Dis avec moi, amen. Tout croyant a la victoire sur la sorcellerie. Le diable, c'est un menteur. C'est vrai qu'à un moment, besoin, mes frères, écoute-moi, Dieu ne mentira jamais, il ne ment pas. Luc 10, verset 19, dit, je vous donne le pouvoir, mon nom, de marcher sur eux. La Bible a dit de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance du diable. C'est de mater la sorcellerie.
de marcher sur eux. Certes, il existe, certes, il attaque. Mais qu'est-ce que Dieu dit face aux attaques du diable? La Bible dit que tu es plus que vainqueur. Dis amen. Amen. C'est toi qui es au-dessus de la sorcellerie. Pourquoi avoir peur? Tu as les révélations qui sortent, hein? Si le prophète vient, les gens vont mourir. Et eux-mêmes, ils ont dit, ils ont donné les révélations pour pas. Si les gens viennent, ils auront un accident. Il a dit, le diable, accident là, c'est lui, chez lui, il va avoir un accident. Chez lui, là-bas, il va avoir un accident. Nous, on va aller adorer le Seigneur. Et puis, le Seigneur va permettre qu'il va avoir un accident. On dit, déférons la guerre. Mais ils n'étaient vaincront pas. C'est la parole de Dieu. N'oubliez pas l'aspect de combat. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. La parole de Dieu. Quand je serai avec toi, pour te délivrer au rang de l'Éternel. Amen. Frère, je suis arrivé au stade où j'ai compris Jésus. Quand tu comprends Jésus, tu n'as plus peur. Amen. Des petites manigances du diable. C'est un comédien. Il n'a qu'à dans le village où on mange les gens en une minute. C'est eux qui n'ont pas dormi. Moi, je dors, ils n'ont pas dormi. Je me couche, je m'endors en paix. Je me couche, je m'endors en paix. Le psaume 4, verset 9. Quand toi, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma maison. Je dois être en paix dans ma maison. Tu dois être en paix. Parce que Christ est le prince de la paix. C'est lui le prince de paix. Pourquoi tu es troublé? Parce qu'on n'a pas connu Dieu. Souvent, il y a des commandes à besoin de l'autre. C'est pour ça que vous êtes là. Parce que chacun a sa spécialité. C'est pour ça que vous êtes là. Mais je vous amène à comprendre qu'il faut se convertir. Il faut vivre avec le Seigneur. Quand on vit avec lui, on n'a plus peur de la sorcellerie. Chaque année, ils viennent m'essayer. Quand je suis venu là, tout récemment, oh là là, ils sont venus m'essayer. Il y a un mec qui en a envoyé. Ils lui ont donné 4 milliards en sorcellerie pour m'attaquer. Quand il a essayé, il a regardé. Pendant qu'il est prêché, il tombe derrière la pile. Il entend des vomis. Dieu me tue, dit oui. Quoi? Qu'on l'a envoyé. Comment tu as mis tuer comme ça? C'est bête, hein? Mais il t'a fait quoi? Vous voyez que c'est bête, hein? Mais il t'a fait quoi? Puis t'as venu me tuer. Que lui-même ne sait pas, mais il va me tuer. Ah, c'est le retour envoyé. Si tu aimes la mort, là, ça va retourner. Il est parti une semaine, il est mort. Il y a un gars qui l'a envoyé. Tous les didas, vous savez? J'ai dit, les gens disent, pourquoi tu es au pays Dida? Il dit, mais vous ne savez pas ce qui se passe au pays Dida. Les prix numéro 1, là, c'est ici en sorcellerie. Chez les Dida ici là. À partir de Divo, Iré, Guitry, Lakota, ils ont fini en sorcellerie. Et ils forment les gens en sorcellerie. C'est une école de sorcellerie, professeur en matière de sorcellerie. Mais c'est là-bas où il y a sorcellerie que mon mec va m'affecter. Ou bien, c'est là-bas où il y a les grands bandits qu'on appelle le plus grand PJ. C'est pour ça que je suis ici. Et on envoie quelqu'un, une délégation, on envoie le monsieur. Lui, il vient comme il sait que l'huile là. Il y a une force, il y a une onction spéciale dans lui. Il a pris l'huile d'onction, il est allé à Zaroko, il a pris 9 bouteilles. Il s'est mis entre Zaroko et Bakako. Il a bu, il a fait des incantations, il est venu fou. La vidéo est là. Il fait caca, il est venu fou. Vous savez, le diable là, il aime tenter Dieu. Ce qui n'est pas faisable là, c'est ce qu'il lui fait. Donc il est venu, il est allé, mais qu'est-ce qu'il veut? Il est là. Tu as cherché, tu as trouvé. Toi, c'est avec lui, tu vas faire pas là. Tu as un pouvoir au lieu de faire ton champ de cacao. Tranquille, ça va te donner, tu vas nourrir tes enfants. Ça fait de Dieu, là, tu es venu faire parler à Dieu. Il est mort. Moi, tu m'attaques, tu es tombé là. Je ne prie pas pour toi. Hein. Ah, ça, la vérité, vous dites ça. Voilà. Donc, si vous venez à vos parents ici, qu'ils sont sorciers, moi, il est démasqué. Hein. Ma bouche, là, c'était pas fait de sorcellerie. Ça, je suis don à moi. Si quelqu'un est sorcier, je vais te dire, face, bébé, tu es sorcier. Je m'en fous de ce que ça va provoquer. Ce que ça va provoquer, ah, les gens disent, ah, vous mettez les... Non, mais pas division. On dit ce qui se passe. Quelle division? Si on s'était, sorcier mange. Vous m'avez parlé. Si vous n'êtes pas courant, mais un jour, vous allez comprendre, vous allez croire à cette révélation. Un jour. Vous m'avez averti les gens pour dire, voici ce qui se passe dans votre famille. Où est la division? Jésus même dit dans la parole de dans Matthieu, il dit, il n'est pas venu pour mettre l'épée et la paix, mais l'épée. Jésus même dit, parce que la parole de Dieu divise les gens. Moi, je ne suis pas venu pour, sous vos croyances, je suis venu vous dire la vérité face aux yeux de la sorcellerie. C'est mauvais, le diable agit. Le diable est mauvais. C'est ça, quand vous venez ici, celui qui a la sorcellerie, moi, je le démasque. Amen. Amen. Voilà, moi je démasque celui qui a la sorcellerie. Maintenant, si tu veux jouer ça,
On va verser l'huile là sur toi, et puis quand tu vas, tu t'enfles, et puis tu vas en Mauritanie. Tu deviens un vrai Mauritanien. Amen. Amen. Voilà, que Dieu fortifie. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, on aura l'occasion, ce samedi, on aura l'occasion de prier pour vous. J'annonce mon arrivée. J'annonce une annonce de taille. La semaine prochaine, je suis en Europe. Je serai là la semaine prochaine en Europe. J'ai eu mon visa. Je serai en Europe par la grâce de Dieu. Le comité d'organisation dans le secret a préparé beaucoup de choses. C'est la première fois même que ces choses comme ça se préparent dans le secret. On a pris du temps pour bien organiser la chose. J'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Je serai à Charles de Gaulle. Quand je vais décoller de l'aéroport, je vous donnerai les communiqués, la date et tout ça, vous allez essayer de voir. Et direction Lyon après. Et le 24, 25, 26, ça sera à Lyon. Le 24, 25, 26, 24, c'est un vendredi, 25, c'est un samedi, on aura l'occasion de recevoir les gens, et le dimanche, je prêche dans l'église du pasteur Fernand à Lyon. Voilà, donc voici comment on va organiser, et après ça, nous allons attaquer l'Italie. Mais ma base, ça serait Lyon. Après l'Italie, je reviens à Lyon pour faire encore une rencontre avec les gens de Toulouse. Après Lyon, on va attaquer Toulouse. Quand on finit Toulouse, je reviens, on attaque l'Allemagne. Après l'Allemagne, on va essayer de voir la Suisse. Et après la Suisse, maintenant attaquer la Grèce. Après, on aura un grand programme encore sur Lyon pour terminer. Maintenant, vous qui êtes à Paris, vous devez vous déplacer pour venir à Lyon. Parce que quand j'étais à Paris, tous les gens de Lyon se déplaçaient. En France, il n'y a pas que Paris. Il y a d'autres villes. Donc, c'est en fonction de la révélation que Dieu m'a donnée. Les gens disent, pourquoi pas Paris? Mais pourquoi vous voulez que ça soit toujours à Paris? À défaut de venir à Divon, on dit le prophète en France. Et vous trouvez que c'est un voyage qu'on doit faire. Donc vous ne voulez pas chercher Dieu, vous voulez vous asseoir. Puis Dieu va venir dans vos champs. Il y a des gens qui sont ici à Londres, qui sont quittés en Italie, qui sont quittés au Gabon, pour venir à Divon. Vous n'allez pas changer ça. Il n'y a pas de programme sur Paris. Voilà, ça j'insiste. Je ne viens pas faire moi ma volonté en Europe. Je viens faire la volonté de Dieu. Le programme va se dérouler à Lyon, uniquement à Lyon. On vous donnera les dates de réception. Le samedi 25, je reçois à Lyon. 25, 24, c'est un vendredi. C'est une veillée. Le 25, c'est une réception. Le dimanche, on a un grand programme dans une église du pasteur Fernand, par la grâce de Dieu. Il faut conduire les gens dans les églises, c'est vraiment important. Et après, en semaine, on vous donnera les dates parce qu'il y aura mon bureau là-bas pour vous recevoir et tout ça. Les week-ends, je serai dans les nations. Pour mobiliser les gens à venir. Parce que le fait même que je voyage, ça permet aux gens d'avoir confiance à l'Afrique. Parce que les messages que les gens vécu dans certaines églises, ils vous font peur aux fidèles, ne venez pas, il ne faut pas donner l'argent, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas aller consulter à la maison. Et puis on a l'impression que le pasteur ou brigande, celui qui prend tout l'argent, vous ne pouvez plus aider les gens. Mais si vos parents sont sorciers, délivrez-les. Combien? Mais délivrez-les. Le seul cadeau que vous pouvez faire, c'est d'aller délivrer aux parents. Non, on a eu la révélation, on est allé dans le village. Mais vous avez des révélations que les parents des gens sont sorciers. Pourquoi vous ne partez pas dans les villages pour les délivrer? Nous, nous délivrons les gens. C'est ça l'amour. Jésus-Christ n'est pas venu pour celui qui est juste, il est venu pour le pécheur. Vous empêchez les gens d'être en contact avec leurs parents. Ils sont en Europe, et puis c'est vous qui prenez leur argent. Il y a un système, c'est ça qu'il n'y a pas le prophète Krasoba. Moi, je dénonce ça. Ils sont assis. Il ne faut pas venir à l'église, mais il faut payer ta dîme. Et ils ne jouent pas ça. Les pasteurs de l'Europe, ils ne jouent pas ça. Vous t'appelez. Mon fils, il est fait du mot. Ta dîme. Il ne te dit pas, si tu, comment ça va chez toi, et ton travail, et ton foyer. Non, c'est dîme là. Donne. Ça va après, il ne paye pas pour toi. Non, c'est pas ça l'amour. Quand quelqu'un est délivré, tu n'as pas besoin de lui demander de donner. Quand quelqu'un est délivré, il donne librement. Sans problème, c'est ça qu'il faut prier pour les fidèles. Parce que si vous priez pour eux, ils vont donner. Mais quelqu'un qui a des difficultés, il n'a pas l'argent pour payer sa maison. Il n'a pas du travail. Et pour vous les brigander, ils vont fuir. C'est ça que les gens n'ont pas d'église. Ils ne savent pas où mettre la tête.
Que Dieu nous aide. Voilà, c'est ça que nous avons vers eux, prier pour vous. Moi, je ne suis pas pour aller créer une église. Ce n'est pas pour aller créer une église. C'est pour aller justement vous aider. Chacun a son don. J'ai dit, Dieu est là. Il ne se trompe pas. Il règle quelqu'un, il dit, tiens, fais mon travail. Dieu m'a vu, il m'a donné ce don-là. En 5 minutes, j'ai délivré le sorcier. Le plus grand sorcier, en 5 minutes, je peux le délivrer. Les vieux là sont là. Nos vieux d'avant, avant là. C'est qui. Elle peut vous manger en 2 minutes. Ça va? Ça y est bien. C'est des moments sorciers, hein? D'autres ont dit, ah, non, faut pas aller au village, faut pas aller, faut pas délivrer, faut pas aller. Mais nous avons délivré. Cette vie, elle est très dangereuse. Il y a une dame qui était enceinte, elle voulait la tuer, elle a tué la dame, jetée sur une voiture, tuée. Et puis le bébé, la voiture est écrasée, y compris maman et le bébé. C'était fort pour moi quand il allait comme ça même. Je lui dis, c'est quel cœur vous avez? On a pu la délivrer. Elle mange abouti, transforme, elle se crève. Ça va? Vous voyez comment ils ont retrouvé le sourire? Regardez, n'ayez pas peur de regarder là-bas. Acclamons le Seigneur pour les vieux délivrés. Voilà. Nous les délivrons. Demande la vieille, ça va chez elle? On a. C'est les Maplao, non? Les Maplao. C'était. Ouais, c'était les Maplao. Hein? Elle est plus mal. Elle dort bien, tout est parti. Et viens là-bas, la compte, tu manges. Abouti, sois grec. On a. Elle ne voit plus là-bas. Elle ne voit plus même. Elle ne voit plus là-bas. Donc tu as laissé sorcellerie. On peut acclamer le Seigneur. Elle a laissé. Vous voyez, on peut délivrer un sorcier. Amen. Amen. Est condamné par maman. Ça va? Mais avant, tu ne voulais pas. Il faut parler. Non. Elle avait peur. De quoi? Elle avait peur. De quoi? Elle avait peur de quoi? On a. Mais je suis maréchal, t'as des sorciers? Je suis maréchal. L'onction que Dieu m'a donné. Parce que je vous effraie, parce que vous allez me effraie. Ou bien? Si tu effraies pas un sorcier, lui t'effraie. Elles sont là pour effrayer les gens. Elle dit qu'elle me regarde, mais j'ai grand de maréchal. Je ne sais pas pour m'amuser, vous. C'est pour vous mater. Non, non, non. La sorcière, vous savez, je veux que Dieu se révèle à vous et qu'il vous explique le mécanisme de la sorcellerie. Vous allez avoir cette révolte que j'ai dans mon cœur. Parce que quand on n'avait pas été victime, ça ne vous dit rien. Ils ont tué mon père. Moi, je ne croyais pas à la sorcellerie, mais quand ils m'ont attaqué. Ah non, 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 non. Quand la sorcellerie t'attaque, il faut la grâce de Dieu pour te délivrer. Amen. Autour de toi, personne ne comprend. Personne ne te comprend. En tout cas, tu t'amuses, toi-même, tu ne veux pas faire d'efforts. Or, tu es dans les chaînes de la sorcellerie. On dit qu'elle couchait sa fille. On a. En sorcellerie. Elle dit oui, en sorcellerie. Donc là-bas, elle est jeune. Elle était jeune. Un jeune garçon là-bas. Elle dit là-bas, elle était jeune fille. C'est comme là, elle est beau. Dans son sorcellerie, là, c'est ça? Oh, mon goût de madou, il est venu là. Mon goût de madou. Vous couchez avec ta fille, c'est ça? Non, pas elle dit, elle est seule. Non, elle dit qu'elle couchait sa fille. Ça, c'est en vain. Elle dit avant. C'est pas maintenant. Avant, les deux sorcières couchaient sa fille. Oui, mais elle est délivrée. C'est pas de son témoignage avant. On a la gonne là, on a dit un
Tu t'es délivré maintenant. Mais est-ce que c'était bon la sorcellerie? Mais pourquoi depuis tu ne cherchais pas à te délivrer? Elle n'a pas encore trouvé la pour la délivrer. Non, cela, il faut avoir le cœur. Elle dit que elle a cherché, elle n'a pas encore trouvé. Son cœur n'a pas trouvé une personne comme vous pour la délivrer. Ben, vous attaquez. Le pasteur vient dit, maman, vous êtes attaqué le pasteur. Maintenant, ça va. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment on appelle sorcellerie? Panché. C'était Panché. Panché. Elle avait fait quoi avant? Et maintenant, comment elle se sent? Ok, vous avez compris? Ça va maintenant très bien chez elle. Donc tu ne peux plus t'envoler pour partir. Pour moi, c'est pas. Elle va plus. Je suis une ici, très dangereuse avant. Ça va? Ouais. J'ai l'impression que vous voulez plus voir. On a délivré vos mamans. Et puis vous ne voulez plus ressentir quelque chose, vous ne voulez plus. La vieille là. Il y a quel problème? D'accord. Et puis on dit, il n'y a qu'à les déterrer, Canary. Il n'y a qu'à venir m'attacher pour envoyer là-bas déterrer. On attend de délivrer quelqu'un. Et quand on délivre une personne de la sorcellerie, il faut accepter la délivrance de la personne. C'est un être humain. Tout compte fait, c'est vrai qu'elle était sorcière. Moi, je suis conduit sur le passé. Mais aujourd'hui, là, elle est devenue être humain. Donc, il faut oublier certaines choses et puis l'accepter. Tout compte fait, un parent reste un parent. Mais on apprend les échos. Non, la vieille, toi-même là, quand tu parles à ta maman là-même, c'est comme c'est caca. Toi. T'as compris? Tu es chrétienne. Ou bien tu es églisien, tu vas à l'église seulement. Ah oui, hein? Et les gens ils vont à l'église, hein? Je sais pas. C'est les églisiens. L'église seulement. Ça va? On va l'aider. Est-ce que tu manges bien? Elle donne quoi? Hein? On est des gnomes. C'est gâteau, toi, viens là-dedans manger. Elle est gnome en cours. Toi, tu es. Moni, là, tu as gâté ça. Moni, qu'on doit te gagner là. Ça, c'est là, il parle. Elle n'est pas là. Elle dit, mais là, elle a même gâté ça pour ton enfant. Il faut qu'on l'aide. Maintenant, là où elle est là, elle a besoin de toi. C'est maintenant qu'elle a besoin de toi. Elle t'avait mis au monde, non? C'est pas ça? C'est elle qui t'avait au monde, non? Ok. Tu as su qu'elle était sorcière. N'est-ce pas? Tu l'as envoyée, non? On l'a délivrée. Il faut l'aider. Pourquoi ne pas accepter cette délivrance? Ça toi, je parle. Non, parce qu'il y a les témoignages. Il y a les témoignages, c'est ta maman. Bon, maman, moi je te garde ici. Moi, ou pas demain, ils vont te gifler, ils vont te tuer là-bas. Il faut comprendre français. Tiens. Tu as mangé placali. Foutou. C'est comme ça qu'on a l'argent donné pour gâter notre argent. Comme ça, vous faites pour gâter notre argent. Si on a l'argent, on va vous donner. C'est parce que vous gâtez ça. Donc, il faut lui dire. Il
Il faut lui dire, moi je veux qu'elle reste ici pour le moment. Parce que j'attends beaucoup de menaces. Comme elle a fait ça, comme elle a fait ça, les gens veulent la menace. C'est pas bon. C'est quel enfant qu'on a menacé pour tuer là, c'est qui? Il y a un enfant, il est venu se cacher ici. C'est qui? Viens. L'enfant, ils l'ont poursuivi à machette. C'est quand tu es venu ici, viens ici. Ça va, petit? On veut te tuer. Parle bien. Oui. Tu as fait quoi? Maman voulait tuer sa fille. Maman, elle vient pour la. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est ta jure. Qu'est-ce qu'elle veut? Tu es dans la même société sans maman. Mais pourquoi elle t'a poursuivi, machette? C'est parce que quand sa soeur est venue, sa soeur aussi voyait que toute sa soeur disait que c'est moi qui ai pris l'âme de sa maman. Tu es dedans. Ici, là, on ne va pas te macheter comme elle. Tu es dedans. Tu as pris l'âme de la femme. Elle aussi, elle veut régler le problème dans la chair. Elle a poursuivi l'enfant au couteau. L'enfant est venu se réfugier ici. Elle t'a poussé un couteau. Elle t'a dégorgé. Elle va te tuer. C'est comme ça l'enfant a fui. Non, ne voyez pas ça comme ça. Ne voyez pas ça comme ça. Je vais vous expliquer un peu. La sorcellerie, là. C'est vrai que nous, on combat ça. Si on t'explique ça, on combat. Mais l'enfant, et la plupart du temps, les sorciers, on leur met dedans. On met dans la sorcellerie. On les initie à la sorcellerie. On te donne, l'enfant dit maintenant, voici comment tu dois travailler. Donc, il fait ça contre son gré. Voilà, donc si tu as la possibilité d'aider les gens, il faut l'aider. Oh, de toute façon, elle a voulu régler ça. Quand tu as attrapé mon âme, moi, j'ai été piqué. Ça ne résout pas le problème. Voilà, parce que crime, c'est crime. Tu as tué un sorcier, tu es un criminel. Donc il faut mieux sauver les gens que de les tuer. Maintenant, c'est quand ils veulent plus se repentir que Dieu envoie la Satan, ça s'attend sur eux. Si tu as la possibilité d'aider quelqu'un, il faut l'aider. Et tu as fui. Voilà. Donc tu sais fuir. Puis tu fais piège la nuit. Ils sont d'ailleurs, ils font piège la nuit, ils fuient. Oui, puis tu appelles la mort. C'est sorcier. Et je suis en train de te demander, petit. T'es sorcier. Combien t'as pas envie de parler? Tu ne veux pas parler? Ah, je te demande, tu es sorcier. Ah, tu as fait quoi? Tu es sorcier? Oui. Hein? Oui. Tu es sorcier? Oui. Tu veux quitter la sorcellerie? Oui. Ils l'ont vu là-bas, il a pris âme des gens, dit bon, ils vont le piquer. Non, l'enfant a fui. Heureusement qu'il est venu ici. Ici, nous protégeons les enfants. Hein. Nous ne jouons même pas à ça, nous les protégeons. C'est pas un sorcier, mais on le délivre de la sorcellerie. On a dû appeler son père. Tu as donné le numéro de ton papa. Tu as donné le numéro de ta tante. Le secrétaire m'a informé. Ils ont appelé son père et tout ça. Va t'asseoir. Ton papa va te trouver ici et puis on lui donner des conseils. Parce que il ne faut pas que les gens tuent les gens bêtement comme ça. Va t'asseoir. Je reviens sur ton cas. Ta maman là, on va la garder ici. Comme ça, on va te donner à manger ici. On va te protéger. Si tu vas là-bas, on te tue. L'argent de ton enfant là, ça n'a qu'à venir maintenant. Elle a une maison. Vous savez,
Divo ici. La vieille dit la louée, mais ça, Divo. Qu'elle a trouvé une vraie église, là. Voilà, toujours à venir ici. On acclame le Seigneur. Voici notre idée. Maintenant, il faut laisser ta fille, elle avance. Mais dans notre cas, laissez le diable. L'État, c'est un menteur. Vous avez trop mangé. Celle-là, elle est dangereuse. Celle-là, on voit. Elle loupe pas. Allez-y, voici notre nouvelle fidèle, voici les nouvelles fidèles de l'église. On acclame le Seigneur. C'est possible. Amen. Voilà, comme l'enfant, les gens ont su qu'il était sorcier. Il a peur de reproduire son histoire. Il a attrapé l'âme de Satan. Elle a vu ça et dit, bon, lui, il faut que je le tue. Mais tu le tues, ça ne règle pas le problème. On a beau interpeller, qu'elle a besoin de délivrance, elle s'en fout. Bon, lui, il t'a attrapé. Tu as quelle capacité de toi-même te délivrer? C'est pas ici qu'on a eu la révélation, c'est eux qui ont eu la révélation. Maintenant, au lieu de te faire délivrer parce que tu es une victime de la sorcellerie. Mais tu es en train de le tuer, tu veux te venger. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Tout à l'heure, je vais recevoir ce que je peux recevoir, mais j'aurai une prière collective derrière. Tout le monde, je vais prier pour vous tous derrière. Parce que je viens d'un combat spirituel, je suis fatigué. Je pouvais ne pas être ici, mais je suis venu parce qu'il fallait qu'il règle certaines choses. C'était un peu loin. Il fallait que je vienne régler beaucoup de choses. Amen. Donc, vous allez vous mettre tout à l'heure, après la prière, juste derrière. Et nous allons prier notre grand saint de délivrance. Je vais en profiter tout à l'heure pour recevoir les gens. Et puis donner le top pour la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons le culte demain. Que Dieu vous bénisse.